Bienvenue à Paripa. C'est le chant 27, amour est rempli d'amour. L'amour, le pouvoir de la joie au-delà des sens et le pouvoir de suivre le Père. Voici Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. The thought comes few times a day. La pensée vient plusieurs fois par jour. Experiencing de la joie ou de la résistance physique. Because sometimes, parce que parfois, listen to something, quand on entend quelque chose, and it looks very attractive. Mais c'est quand on l'expérimente que cela devient réel. Depuis le matin, quand on s'est réveillé, il y a tous les organes des sens physiques qui peuvent être ou qu'il peut y avoir aussi des réactions. Donc, quand on se réveille, on peut regarder Baba. On prend le drishti de Baba. Mais si les yeux sont attirés vers autre chose, il y a tellement que nous pouvons. Il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Monsieur. Right. The thought comes. Let me see this. Et la pensée nous vient. Regarde. Something in YouTube. Quelque chose sur YouTube, par exemple. Ou des pensées de ce genre. And then the ear says its own pull. Et aussi les oreilles. Ont leur propre attirance et veulent entendre certaines choses. But also sometimes there is a reaction if someone says something for me, I hear it. Réaction, c'est-à-dire que quelqu'un nous dit quelque chose. Strong reaction. Et il peut y avoir une réaction. Donc on doit regarder chacun de nos sens physiques. Like Baba says, to pay a lot of attention when you are eating. Portez attention. All attention is not on the taste. L'attention n'est pas nécessairement quand on mange uniquement and sur le. It should be good. It should be tasty. On dit ça devrait être bon, ça doit être bon, c'est bon. No, when you eat in Pandavan, quand on mange Pandavan, how tasty the food is, right? Ou à la variety. C'est toujours varié. Ma du pain varié et délicieux. But there shouldn't be the pull. Mais il ne doit pas avoir l'attirance. Some they like pakoras, so when they hear word pakora, certains aiment pakora. En pakora, elles sont attirées par ce goût des pakora. But like Dadi Prakash Mani. Used to feed lot of favorite things to double foreigners. So it's not that Prakash Mani toujours les mets préférés parfois l'attirance est trop grande. Alors on prend la joie des organes physiques, des sens des organes physiques. I think gradually for some, because of the health reasons.
parfois pour certains, il y a des changements qu'ils doivent faire dans leur diète, façon de manger, leur santé. Mais on doit bien tenir notre bilan de la journée. Et on peut porter attention aussi et d'aller vers l'intérieur et de voir ce qui se passe. De sentir la joie intérieure, la joie au quand on est sans corps, en conscience de l'âme, comme ça. Dans cet état, on expérimente la joie au-delà des sens. Pourquoi on a choisi pour aujourd'hui? Parce que c'est la journée de Didi Manmohini. Et l'expression de sa vie, un témoignage de sa vie, c'était la joie au-delà des sens. C'est pour cela qu'on l'appelait Gopi. On va vous montrer comment on va le faire, mais on va vous montrer son ivresse spirituelle. Because she decided to have relationship with Baba as a friend. Elle a décidé d'avoir une relation avec Baba, une relation d'amitié. You know, Baba was father for everyone, or mother, father. Le père de tous. But she created that relationship. Mais c'est elle qui a créé le compagnon. Daddy Janki always had relationship. Daddy Janki avait toujours une relation avec le père et professeur. Donc Daddy Janki était très sérieux. Daddy Janki said, oh, I have to make a lot of efforts. Je dois faire beaucoup d'efforts. Je dois être parfaite. Et Didi lui avait dit, fais tout avec de la joie. Ne sois pas sérieuse ou austère. Didi elle-même était très introvertie, mais elle était très joyeuse. Elle était sérieuse. Elle avait beaucoup le sens de l'humour. Elle aimait partager les points de connaissance. Sous forme de jeu, comme un jeu de badminton. Even while making serious efforts, she was not serious. Alors, pour faire des, même si elle faisait des efforts sérieux, parce qu'elle disait qu'elle a c'est le seul moment où on pouvait faire de Dieu notre ami, alors on devait jouer avec lui. J'espère que vous avez ce genre de relation avec lui. Certaines des vidéos sur YouTube et sur YouTube, j'en ai vu. Certains sont en hindi, certains sont en anglais, où ils décrivent comment Didi, sa mère et sa plus jeune sœur ont quitté la maison. Et Didi était très importante de cette époque. Et si vous allez à Singapour, vous allez voir qui appartenait à la famille de Didi. C'est une famille importante. Une famille prestigieuse. La petite boutique, on a plus de magasins. Elle n'y pensait même pas.
Elle dit, elle n'a jamais pensé que j'avais tellement une belle vie à la maison, que j'avais de la belle nourriture à la maison. Elle n'a jamais Ils n'avaient pas non plus faire de karma yoga. Elles avaient beaucoup de serviteurs. Mais Didier a Elle dit, je veux faire de la couture parce que je veux gagner des sous pour pouvoir les donner à la charité. Ce ne sera pas ma charité, mais je veux le donner. Quand elle est venue à Baba, elle lui a dit, Baba, je peux enseigner la couture. C'est mon intérêt. Alors, il y a plusieurs enseignants qui sont venus apprendre à coudre. Et ensuite, Didi lui a parlé de la connaissance de Brahma, de l'amour pour Baba. Elle avait beaucoup d'amour pour Baba, chez Baba. Et vous avez parlé de sa mère. C'était Queen Mother, Queen Mère, parce qu'elle était très royale, fragile et royale. Et intérieurement, elles étaient toutes abandonnées. Tout le monde va recevoir des produits et du baba. Ça prend un peu de temps à digérer. Je n'ai pas entendu le mot. Elle dit que c'est 200, mais ça prend beaucoup de temps à digérer. On disait des doubles étrangers, ils ne pourront pas réussir à gérer ça. Mais Mama Baba a dit, mange ça, bon. Elle est de la reine mère n'a pas été malade. Et il y a d'autres personnes qui étaient habituellement très santé. Alors, on a dit, ce n'est pas la nourriture. C'est pas qu'elle doutait, est-ce que mon corps va pouvoir le manger? Est-ce que mon corps va pouvoir le digérer? Ces personnes sont malades. Mais la reine mère est tellement dédiée qu'elle n'avait jamais aucun doute. Et de plus, elle était même le bras droit de Mama Baba. Il l'a invitée à Delhi. Et j'avais beaucoup de respect pour elle. Elle était mon professeur. Et elle m'enseignait seulement. Elle nous donnait du temps, elle nous donnait. Et ensuite, elle nous orientait. Elle nous expliquait un à un ce qui allait se passer. Elle enseignait un à un. Pour tout service, dans n'importe quelle sorte de service, elle disait toujours, elle le faisait faire, n'est pas toujours elle qui le faisait, mais c'était fait. Elle le faisait. Il y avait des couples aussi. Toutes ces personnes. Et elle nous mettait au défi de savoir qui allait prendre compte de telle ou telle activité. That everything is already happened and will happen. Baba a demandé quelque chose et il n'y a rien de nouveau, déjà arrivé, donc faites-le, c'est tout. Anything which looks like very tempting, let's do this service. Tout ce qui est tentant,
le service et tout ce qui était à faire dans le service. Ça pouvait être des expositions dans des nouveaux lieux, dans les nouvelles villes, des rencontres avec des VIP ou des belles. Beaucoup de familles invitaient les gens. Alors, il y avait plusieurs types de services et Didi disait, Baba en parle de ce service, cela doit être fait. Donc, il avait deux listes. Ce que je n'ai pas encore réussi à faire dans ma pratique. Et toute la journée, elle parlait ou du Murli, ou elle demandait, es-tu dans le souvenir de Baba? Ou toute la journée, elle planifiait le service. Et elle était bien. Toute la journée, elle nous gardait occupés. On baratait le murli, et elle nous enseignait tout le vocabulaire brahmine. Any word which we spoke was not pleasant. Tous les mots que nous parlions, qui n'étaient pas plaisants, c'était pas partie du dictionnaire brahmine. Tous les blessings de Baba, et on doit partager ces bénédictions, et ce sont les mots qui parlent du dictionnaire brahmine. Oui. Est très exacte et précise dans son horaire. Il y avait un rendez-vous à midi, un rendez-vous avait lieu. Le moment où elle devait manger était fixé. C'était un bon exemple pour nous. Un jour, elle m'a demandé. Je voulais avoir un souper. Elle a dit, tu dois manger. Moïni a dit, je ne veux pas manger ça. Et Moïni, juste un petit peu au déjeuner, au dîner, au souper. Take rest so that in the evening you are very fresh for giving classes or sitting in the meditation. Elle ne se sentait pas bien le dimanche. Trois fois, le matin, médite-toi et repose-toi avant d'aller faire ta conférence. Et elle trouvait aussi que c'était toujours très important de bien dormir au bon moment, de bien dormir la nuit. On se couche tard pour l'Amrit Vela. Alors, si on... Oui, c'est cela. Si on ne se repose pas à l'Amrit Vela, on devrait tous essayer la discipline aussi. That's not the way, right? 12 o'clock is time for us. À midi, c'est l'heure d'offrir le beau Brahma Bhojan. Exactement à midi, on offre le Brahma Bhojan à Madhuban à une heure fixe. Et à midi ou à 7 heures du matin, le Bhog
Et moi, quand je cuisine, dis Mohini, je l'offre à midi pile, tapin. C'est comme si on le faisait à n'importe quelle heure, c'est comme si on disait, quand je viendrai, tu pourras manger. Mais maintenant, Madhuban, c'est comme cela que ça se passe. Et je dis au centre, fixez l'heure à laquelle vous allez. Et les gens disent, je vais cuisiner trop tôt ou trop tard. Et à ce moment-là, elles cuisinent selon leur propre horaire, pas selon l'horaire brahmine. Alors, les gens disent, je vais l'offrir à 13 heures, d'autres à 13h30. Et si c'est, il l'offre à 10h30 le matin. Mais l'idée, c'est de le faire de façon constante. Donc, si vous choisissez de l'offrir à 10h30, c'est très bien, mais il faut l'offrir à 10h30 tous les jours. Alors, portez attention à ce genre de ces éléments, que le fait d'avoir un horaire fixe, et surtout pour le travail, quand on a des travaux à faire, on ne voit pas où va le temps si on ne note pas ce qu'on va faire au bon moment. Alors, c'est bon d'avoir un horaire, que ce soit pour mes propres rencontres ou mes propres meetings, ou c'est pour offrir Bhog, c'est important d'avoir un temps fixe pour offrir Bhog. Alors, si on le fait selon notre horaire, ça ne va pas si on dit, j'étais occupé à faire ceci ou cela. C'est ce qu'on dit, c'est toujours ça, mais l'exactitude et la précision, c'est très important, dit Mohini. Et c'était aussi le principe de Didi Mamoini, c'était ce qu'elle nous a appris, que lorsque l'on offre Bhog, on l'offre à une heure constante et au bon moment. Et c'est la même chose pour l'heure, pour notre corps. On nourrit Baba, on se nourrit soi-même à des heures fixes. Donc, à partir de l'Amrit Vela, pour tout ce qui se passe, la méditation, le traffic control, à chaque heure, quelques minutes pour le traffic control. Si vous avez un horaire prescrit, précis, vous allez savoir combien de temps vous avez. Sinon, vous ne saurez pas combien de temps vous avez parce que vous n'avez pas, si vous ne fixez pas de temps, vous ne savez pas combien de temps vous avez. Et jusqu'à un certain point, c'est le temps de s'arrêter. Et moi-même, je dis, c'est assez. Parfois, il y a des choses urgentes, mais il y aura toujours un lendemain. Donc, la précision était une qualité très importante de Didi Manmohini. Et je pense que dans les centres, on suit aussi ce genre de précision et ça donne le feeling du yagya dans les centres. Sinon, c'est comme dans une maison ordinaire. Je sais que chez les lokiks, parfois, quand ils font les bhakti, quand ils sont libres, ils vont offrir le bhog aux déités, quand ils font les bhakti. Mais pour nous, ce n'est pas comme cela. Alors, regardez votre horaire. Soyez constant, regardez votre bilan tous les soirs avant d'aller dormir. Est-ce que j'ai causé de la peine aux autres? Est-ce que je me suis emportée durant la journée? On va avoir de plus en plus d'activités de Manmohini. Om Shanti. Alors, c'est le Sakar Muli. C'est décorer les enfants avec les joyaux de la connaissance. C'est le Sakar Muli.
les expériences des jours sakar, rester absorbé dans l'amour de Baba, rester enivré en écoutant les joyaux de la connaissance. Baba est venu rencontrer ses enfants bien-aimés. Le Murli Sakar. Il est le Baba étranger, Shiv Baba, n'est-ce pas les enfants? Alors l'étranger et le Brahma Baba local se sont réunis ici pour se rencontrer. Et il doit absolument venir dans ce monde, il le dit lui-même, je dois venir de la terre étrangère à la terre de Bharat. Ce n'est pas une chose nouvelle. À chaque cycle, vous rencontrerez le Brahma Baba local ainsi que le Baba étranger chez Baba pour recevoir l'héritage. C'est la propriété du Père incorporel. Mais vous ne pouvez pas recevoir cette propriété sans le Père corporel, c'est-à-dire Brahma. Vous obtenez donc cette propriété par le biais du Baba local, Brahma Baba. Il est le seul étranger à venir sur cette terre locale. Pourquoi vient-il? Pour vous ramener dans la terre étrangère. Vous autres étrangers, vous avez oublié votre terre. Vous avez oublié. Vous ne la connaissez pas. Vous ne pouvez donc pas y retourner. Ce monde a du chagrin. Si l'on montre à quelqu'un cet autre monde, alors pourquoi resterait-il? Pourquoi resterait-il dans ce monde? Ils iraient là-bas pour y vivre. Mais vous oubliez ce monde. Vous, les enfants, êtes liés à ce Baba étranger. Vous lui écrivez des lettres à cet étranger. Même si certains d'entre vous ne l'ont pas vu, vous lui écrivez quand même. Et vous pouvez aussi recevoir l'héritage du Baba étranger. Baba vous fait comprendre que vous devez connaître le Père et l'héritage. Le Père illimité vous fait faire un renoncement illimité, c'est pourquoi il est le plus élevé. Et vous obtenez également l'héritage dans cela. Il y a beaucoup de biens que vous obtenez. Qu'est-ce que les gens peuvent obtenir d'autre que des propriétés? Que peuvent-ils obtenir dans ce vieux monde? Ce serait de toute façon pour un tout petit moment. Ceci est votre propriété pour le nouveau monde. Vous devez recevoir la propriété à coup sûr. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'obstacles de Maya à recevoir la propriété. Alors, tant de bons enfants se déplaçant sur ce chemin, ils tournent soudainement leur visage. C'est pourquoi il y a des images qui sont très utiles, n'est-ce pas? Il y a tellement de photos pour vous. Si les images sont agrandies, cela devient un bon cadeau pour les enfants, parce qu'alors, vous pouvez les faire comprendre aux autres. Vous pouvez leur dire en ce moment qu'il est leur amas purificateur et leur avan impur. De toute façon, ils célèbrent d'Ashira, Ramiravan, n'est-ce pas? Ils montrent avan de toute façon. Mais au lieu de Shiv Baba, ils montrent soit Krishna, soit Rama. Au lieu de cela, ils devraient montrer Shiva. Comment rencontrerait-il les âmes? Voyez, le Père prend ce corps pour vous rencontrer. Ils disent, il est le mari de tous les maris, mais alors la femme ou l'amant devrait rencontrer son bien-aimé, non? Comment le rencontrera-t-elle? Il y a le Père, il y a les enfants qui sont des êtres humains, et alors comment les âmes et l'âme suprême se rencontreront-elles? Elles doivent se rencontrer. Elles doivent se rencontrer à travers un corps, non? Alors, quand ils vous rencontrent,
Le Père vous rencontre à travers Dada. C'est pour cette raison qu'il s'appelle Dada. Ainsi, vous obtenez l'héritage de Dada, le grand-père. Il n'y a rien à confondre là-dedans. Certains enfants ont peur de la notion des genoux. Il faut leur expliquer que nous sommes des enfants et que nous allons sur les genoux du Père. Nous ne rencontrerons le bien-aimé ou le Père qu'une seule fois à chaque cycle. C'est pourquoi ça s'appelle la réunion propice au bénéfique. La dévotion se fait matin et soir, ainsi la connaissance doit également être étudiée le matin et le soir. Comprenez-vous? Acha, ok maintenant, jouons de la musique. किसी किसी ने लिया पहचान ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान जैसे कि लगे रूहानी बच्चों पर ते Nos enfants, amour et souvenirs, Yad Piar et bonne nuit, la mère, le père. Om Shanti. Om Shanti. Avant de recevoir nos devoirs, je vais vous laisser vous dire que c'est la journée de Man Mohini. Alors, on va raconter son histoire, on va faire un baume, une offrande de baume. Vous allez probablement offrir baume à la maison aussi. Vous pouvez l'offrir le beau du midi ou le beau du soir. Demain, avant 7 heures, il n'y aura pas de série hindi demain. Ça se passera avant 19 heures. C'est une animation. C'est 45 minutes l'histoire. Ensuite, on offrira le baume entre 19h et 19h30. Et ensuite, la série continue. Et après tous les partages, il y aura une méditation pour le 28 juillet. C'est le jour des Kumars. Il y aura une méditation à la toute fin, pour les Kumars, ou par les Kumars. C'est le programme de demain. Mercredi, c'est aussi la journée Murli pour les enfants, de 19h à 19h30. Alors, voici Sister Shireen. Et après la méditation aujourd'hui, il y aura une vidéo de Man Mohini. On va en présenter un petit ce soir et nous en montrerons un autre demain. Alors voici Shireen. Bonsoir et Om Shanti Didi, Om Shanti à tous. C'est tellement doux d'entendre la voix de Sakar Baba. Et je pensais que vous étiez tellement chanceuse d'avoir été avec lui. Alors, le devoir pour demain, c'est de suivre le Père. L'amour, c'est le pouvoir de suivre le Père.
comme de véritables gopis et gopis, mon pèlerinage devient une danse dans laquelle je suis tous les mouvements de mon bien-aimé. Comme de véritables gopis et gopis, mon pèlerinage devient une danse dans laquelle je suis tous les mouvements de mon bien-aimé. Maintenant, c'est la méditation, suivre les pas de Baba, marcher dans les pas de Baba. Passons quelques minutes pour suivre Didi et Baba. On prend le drishti de Didi Manmohini. J'imagine me détacher de ce monde physique. Je n'ai aucune inquiétude, aucune tension. J'entre dans un lieu de simplicité et de pureté. Et l'âme regarde à travers ses yeux et prend le drishti de Didi Manmohini. Moi, l'âme, je suis cet être vivant sans corps. C'est le moment de retourner à la maison. C'est le temps de retourner dans ce monde, le monde où j'étais il y a très longtemps. C'était un monde de paix, d'amour, de joie. Ce sont les éternelles qualités. Mes éternelles qualités, les éternelles qualités de l'âme. Je me souviens que je suis lumière, que je suis éternelle. Et je suis au-delà des différentes naissances corporelles. Je suis au-delà de la mort. I'm totally free from worry. Je suis complètement libre des inquiétudes et des fardeaux. Et je suis en mesure d'absorber tout cet amour qui me vient de l'océan d'amour. Je suis l'âme assise dans ce corps qui regarde derrière ses yeux. Et tranquillement, je redeviens sans corps. Je suis de plus en plus détendu. Et à ce moment, je fais une promesse. Je vais suivre le Père. Tout ce que je dois faire, c'est de suivre le Père. Je n'ai rien à prouver qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de me presser. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tout ce que je dois faire, c'est utiliser Brahma Baba comme un modèle. Quand je vois Brahma Baba devant moi et quand je vois Shiv Baba, ce point de lumière, l'âme suprême, j'entre dans cet espace pur de silence. Et en suivant Babdada, je reconnais cette immense beauté à l'intérieur de moi-même. Quand je crée,
retrouve cette beauté, il est plus facile pour moi de suivre. J'ai fait une promesse douce et sérieuse d'être constante. Je vérifie mon bilan le soir pour voir si j'ai fait de la peine à quelqu'un. Et j'observe Didi Manmohini pour voir si j'ai autant de renonciation à l'intérieur comme à l'extérieur. Et j'occupe ma journée à Bharati et à faire du service dans le souvenir du Père. Et je partage les bénédictions que Baba me donne tous les jours. Je suis Baba de cette manière. Me fait vivre la joie de la naissance. Om Shanti. Alors, voici l'horaire pour demain. De 18h15 à 19h, c'est l'histoire de Manmohini. De 19h à 19h30, le Bhog. Et la méditation des Kumars, ce serait plus tard. Après tous les partages. Bhog offering from 7 to 7:30, then our series will continue. And then in the end, 15 minutes, the special meditation experience. Alors, il y aura à la fin de 20h15 à 20h30 la méditation spéciale. Petit film de Great Manmohini Didi. Elle est née de grand.